Ok, c'est pas le genre de démon qu'on pense, quoi. Ah, parce qu'il y a plusieurs sortes de démons. Ouais. De toutes sortes. Cela dit, ils ont tous un point commun. Le chaos. Ils sont tous très dangereux. Ah, voilà. Ah. Et oui, effectivement, le chaos aussi. Alors, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire cette épreuve? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment me proposer la question? Est-ce qu'on doit vraiment me poser la question à moi? C'est à vous de voir, Nali, je ne forcerai absolument personne. Nali protège Winnie puis Princesse. Y'a Nali qui te fait oui, et du coup, il se retire un petit peu en arrière. Y'a Maria qui vous rassure, même si vous mourrez tous, elle ne laissera pas le démon s'échapper et vos âmes ne seront pas embarquées en enfer. Elle empêchera ça. En revanche, s'il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, elle ne le sauvera pas. Ok. C'est à vous de le prouver, tout ce bazar. Elle balance la pierre, elle la laisse rouler sur le sol. C'est à vous de voir. Elle vous explique que maintenant, pour invoquer le démon, il faut juste péter la pierre. Et qu'elle vous prévient. Ne prenez pas ça à la légère. À toi l'honneur, Kryops. Pourquoi? Bah, yes. Non, faut pas que Kryops soit en avant. Bah, ok. Ne sait-on jamais si jamais. Vous savez ce qui s'est. Max? Oh, c'est bon. Oui. Hein. Non, mais trop tard. Max? Écrase la pierre avec mon pied. Donc, effectivement, quand tu brises ceci. Déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien compris. Moi j'ai ose m'invoquer. Le roi d'Araldi. Jupiter Noir Tonnerre, chevalier de la reine mère des dragons. Non, juste la tienne. Je vous laisse jusqu'à 2 minutes, à 50, on arrête le point straps. Alors, la chose la plus importante, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais là, Nova aurait pu être utile. Ah bon? Ouais. Un gros démon qui ressemble à un balrog, mage. Robe ouais, grise. Il va tomber un pont. Oh, oui, you shall not pass. Non. Non, mais on a encore un autre mage. Et ça aurait fini d'en être là. Nova! Yes! Non, mais j'ai rien à dire. On a un autre mage là. Je rajoute à cause de ma connerie, hein, c'est à 51, vas-y. Ok. Bon, plus sérieusement. Moi ce que je propose, on essaye de faire nos plus grosses attaques. Par exemple, moi je vais faire mon souffle draconique. Non, je devrais pas le faire tout de suite. Je vais tenter d'avoir une autre charge. De souffle draconique. Et quand j'aurai ma charge à 3, je ferai mon souffle draconique au maximum avec les charges qui vont augmenter les dégâts. Je tenterai de lui faire le plus de dégâts possible. Et en gros, faudrait vraiment qu'on protège aussi Selenor. Qu'une minute. Pardon. Non, je précise, plus qu'une minute. Faudrait vraiment protéger Selenor, puis Selenor fait vraiment des dégâts sacrés. Puis essaye vraiment de nous faire des sorts de soins puis de lui faire des dégâts sacrés. Puis toi, Séraphine, t'essaieras de le prendre par derrière. T'essaieras de toi aussi de faire les plus grosses attaques que tu peux faire. En départ, ok? Rien de nouveau pour moi, quoi! Je rappelle qu'il ne s'est pas passé plus d'une journée. Ah. Ouais, comme ça, tu pourras faire ton attaque direct, tu peux faire un succès critique. Comme ça, tu pourras lui faire le plus de dégâts possible. Ouais. Donc toi c'est les normes, tu te concentres sur les attaques radiantes et oui, les voilà, sur mon marteau spirituel, ouais. Puis toi, est-ce que toi, Kryop, tu te sentirais capable de l'immobiliser? J'ai pas de mobilisation, si... donc ça va être dur. Je pense que s'il faut voir quelqu'un pour immobiliser un truc aussi gros, ça doit plutôt être moi. Est-ce qu'il serait capable de le faire? Stop! Trop tard. Mais ça, tu verras après, c'est les normes. Déjà, justement, oui, effectivement, c'est les normes, oui, Zem, dites-moi.
Moi d'abord, ils aiment après, on sait jamais. Voilà, allez, c'est bon. Ah bah il l'a dit, hein. C'est pas ma faute. Hein. Il l'a dit. Du coup... Ah bah attends, mais c'est vrai qu'il y a un truc spécial pour les démons, il me semble. Oui. Je me souviens plus du tout à quoi ça ressemble. Oh putain, j'ai osé faire ça. Oui d'accord, bon, très bien. Du coup, le démon est juste là. Vous le voyez charger une boule de feu dans sa main. Ça, c'est pour tout le monde. Oh là là. Oui. Tout le monde. J'ai une défense de 19, donc ça, ça passe quand même. 19 contre 19. Ça passe. Défense magique. Ça passe pas. Ça fonctionne pas pour moi non plus. Oh putain. Ah non, pardon, j'ai pas vu, vous êtes éloigné. Oui. Bah écoute, on va faire un test. Je vais faire un D20. Si c'est de 1 à 10, c'est le groupe. Séraphine, Selenor et Cryops. Et si c'est 11 à 20, c'est le groupe Jupiter, Izem. Vous êtes prêts? Oh ouais, de toute façon, dans tous les cas, ça me touche pas. Hein. Donc, Aïe. Et bah, c'est le groupe qui est en bas. Et du coup, moi, MJ. Oh là, je suis mort! Quand c'est 19 contre 19, ça fait comment? Ça touche. Ça touche quand même? Ça touche. Ça touche, oui. Ah merde! Ouais. Moi je sens ça me touche pas mais de peu hein, ça me touche, ça m'aurait touché mais de, bah ça m'aurait pas touché de peu. Alors MJ. Oui. Je prends tout de suite mon point de chance. Attends, oui voilà, c'est ce que j'allais dire, Cryops, vous avez des points de chance hein. Ah oui c'est vrai, il m'en reste un, bah ouais, oui non je vais l'utiliser, oui. Voilà, pardon. Non j'utilise le miel, tu me fais pas chier toi. Et moi aussi. Ah. Ok, donc tu utilises un point de chance, tu n'as absolument pris aucun dégât. Monsieur Cryops, pareil pour toi, c'est Lénor. Oui. Séraphine, j'imagine que tu esquives aussi. Ah, bah non, je crois que t'as esquivé de base, toi. Bah oui. Pétasse que tu es. Donc. Séraphine. Alors. Tu peux baisser un peu la musique, Max, s'il te plaît? Pourquoi je pense que je vais passer juste après Jupiter. J'ai calé mon tour après Jupiter. Ok. Jupiter. Bon, bah, je vais profiter de ça. Donc, je vais foncer sur la bestiole. Advienne que pourra. Et je vais faire une attaque de Kalanbob classique en espérant que je lui fasse mal. Elle fait pas loin de deux fois ta taille. Hein. Alors, tu la touches. En fait, je voulais surtout qu'il passe un souffle draconique dès le début. Je te rappelle que c'est toi qui, que c'est moi qui t'ai filé ce système de char, de charge et de machin. Hein. Je me souviens très bien que tu l'as. Je te l'approche pas. Je suis en charge. Non, c'est juste que j'ai... Attends, ma charge. Attends, j'ai mon jet à faire. Je suis en train de rechercher mon. Max, je lui fais 12 points de dégâts avec mon attaque électrique. Voilà. Je peux plus avoir de charge. C'est facile. Ouais, bah du coup je vais me décaler vers le bas. Je vais aller par là. Je vais faire une attaque à l'arc. Allez. Soyons fous. Je suis une ouf. Le petit arc. Pouf, gueule. Voilà. Pas l'attaque des carottes. Et bah au moins ça touche. Par l'érection du dragon. Voilà. Tac. Ta gueule. C'est Lénor, c'est à toi justement. Bah c'est Lénor, vu qu'il a personne à soigner, il va faire un marteau spirituel. Et bah vas-y, fais-nous un marteau spirituel. Bon oh. Putain, mais qu'est-ce qu'il a, le prêtre? Attends. Oui. Une seconde. Il a l'arme. Il a l'arme bénie. Oui. En plus. Donc sur un démon. Mais il a fait jet critique de toute manière, j'ai presque envie de te dire, donc y a pas de. Quoi? Oui, non, je me suis trompé. Non, je pensais à autre chose. Eh, puis il me semble que sur les démons, ça fait encore plus mal. Oui, justement, c'est énorme, s'il te plaît, dis-moi ce que tu fais. Tu vois,
je lève mon marteau au ciel. Le marteau, il est en train de te charger de l'énergie lumineuse comme jamais auparavant. Et je pointe le marteau vers lui et t'as un genre de marteau de lumière qui fonce sur le démon. Et quand tu fais ça, vous voyez que ça fonce vers lui. Sauf que je vous rappelle que ce sont des dégâts sacrés sur un putain de démon. Yep. Attends, j'attends de voir mon avis. Tu lui as coupé un bras. Bah, c'est un marteau, hein, je sais pas comment il a fait. Bah, il lui a le bras est parti. Ah, d'accord. Il a explosé quoi. Izem va taper. Attends. Il y a un truc que je dois faire. Le démon est désormais affaibli et il a un malus par rapport à tout ça. Un malus de moins 3. Voilà. C'est parti. Connard de prêtre. Allez, vas-y. Allez, bravo, Dom. Pour une fois que tu fallait qu'on le tue. T'as le cul bordé une nouille aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas ce que t'as fait, t'as vendu ton amo diable ici. Oui, je pense. Attention, je me suis trompé de dé, là je suis au D12. J'aurais fait. En quoi que, est-ce que ça touche ou pas? Oui, ça touche. Oui, c'est pas grave. Ah, c'est pas compliqué, à cause de ses énormes, il lui a tellement bien foutu sur la gueule qu'il est pratiquement. Quoique, non, je vais refaire le D20 parce que j'ai quand même la chance de. J'ai quand même une chance de faire un coup critique. Vous pouvez le voir maintenant, il est affaibli la bestiole. Donc. Voilà. Ah, c'est moi qui t'en panique, s'il te plaît, c'est moi qui t'en panique. Ah non, il est pas en panique, mais enfin si, oui, mais voilà. Si, Bah, il est juste surpris quoi. Il est extrêmement choqué, ça oui. Qu'est-ce que je veux dire? C'est tout ce que tu fais? Bah, je peux pas faire grand chose d'autre. Ah, mais je veux dire, il n'y a pas une troisième attaque? Et que ces deux-là? Non. Le dernier jeu coup, c'est. Le coup est déjà 3 en. Ah, d'accord, bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ça nous fait un total de 19, ce qui nous fait un total de. Je sais plus compter. Ça y est. Et hop. On va tenter de briser les cœurs, voyons voir si ça passe cette fois-ci. Oui. Ça passe? Oui, normalement. Eh oui, il fait les dégâts, oui. Voilà. Aïe aïe aïe. Putain. Constitution, difficulté 13 si tu veux diviser par 2. Je savais que j'aurais dû lui mettre 500 HP. Donc. Bon fou, c'est ce que je ferai pour le prochain. Et là, voilà. Tu fais cette critique. Là, vous avez le démon majeur qui est en panique. Putain. je rentre chez moi. Bon, bah voilà, moi je vous laisse, hein. La séance est terminée. Je vous laisse faire la partie sans moi. Allez vous faire foutre, voilà. Non, on fait une pause si tu veux, Max, comme ça tu vas souffler 5 minutes avant d'annoncer la nouvelle. Séraphine, ça me rappelle le boss que tu nous... Bon... voilà, le boss que j'ai hurlé dans un oreiller, ça fait du bien. On t'a entendu. Bon, ben, vous voyez le... Ben, c'est quoi, voilà, j'en ai marre. Vous voyez le démon avec la main qui lui reste faire un genre un truc hypnotique. Vous allez voir votre ennemi. Vous allez voir. Voilà, Jupiter. C'est ce qu'il faisait. Il voulait faire le sorcier la dernière fois qui t'arrive à te faire convaincre que les pires horreurs a été commis par tes alliés. Donc ça fonctionne. Sauf que là, ça fonctionne absolument pas. Et je te laisse l'interrompre avec un coup d'épée. Vas-y. J'en ai marre. Non, voilà. Je vais gonfler ma poitrine et sauve draconique avec 3 charges. Vas-y. Putain de merde. À y être dans les dégâts, allons-y. Bah oui. Oh, c'est. Attends. Séraphine, juste, ça te rappelle pas quelque chose? Ah, oh, enfoiré. Oh putain. Ah, fais-moi une description, s'il te plaît. Ok. Bah. Est-ce qu'il est à mon niveau de mon corps? Bah. Je sais, est-ce qu'il est à genoux, quoi? Ah non, il est pas à genoux, non. Ok, bah, vous voyez Jupiter faire un triangle
l'épée. Avec son, avec son épée. Et après ça, il gonfle sa poitrine. Et pousse un hurlement draconique avec ton souffle draconique qui frappe le triangle électrique qui devient trois fois plus gros et qui frappe le démon en pleine tête. Enfin. Donc je lui désactive la moitié du corps. Bah là oui, je te le confirme. Sa tête n'existe plus. Ah, je faisais aussi son torse. Et son cri, oui, c'est bon, enfin, vous le voyez fondre petit à petit, il disparaît dans des cendres. Ah putain, j'en ai chier. C'était pas censé être un démon, ça. Même pas du tout m'amuser. Marianne, tu que Maria nous regarde encore de haut, je te crois pas, MJ. Maria, elle vous regarde pas de haut, elle est un petit peu, disons que bah, c'est un grand étonnement sur le visage d'un mec qui n'est jamais étonné en fait. Donc du coup c'est juste, ah ouais, d'accord. J'aime beaucoup. C'était votre démon majeur ça ? Non, l'attente pas. Ah putain. Parce que là pour la faire très courte, il avait 200 points de vie et grâce à ton putain de sort et ton réussite critique, tu lui as retiré 100 points de vie en un seul coup. C'est un connard de prêtre. Pour bah si là t'as fait 40 points de dégâts donc il lui en restait 40, tu lui as fait 40. Non mais ça donc, je l'ai dit, ça a pas aidé au niveau. C'est pas ça a quand même pas mal aidé moi je trouve. Non je veux dire pour les démons. Je dirais que c'est pas trop mal. Oh bah. Moi je vais essayer de fouiller la cendre. Peut-être quelque chose. Il y a rien dans les cendres. Hein. Et il veut trouver des trésors dans les cendres. Quoi. Maintenant, c'est toujours à vous de voir. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le détour à l'endroit où j'ai eu les révélations pour Mana, ou est-ce qu'on va directement à la Cité Blanche ? Bah, on voudrait vous accompagner. On est là pour Mana, mon pote. Parfait. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Attendez, est-ce que le fait d'aller dans votre détour, ça nous permettrait d'en savoir un peu plus à propos de Mana ? C'est ce qu'elle vient de te dire. Voilà, dans ce cas-là, il vaudrait mieux faire le détour. Oui, on continue, ouais. On va aller à la fontaine. Vous avancez à travers la jungle. Est-ce que vous voulez demander quelque chose de particulier à Maria sur la route ou quoi que ce soit ? Ouais, je lui ai posé une question à Maria. Elle avance hein, en te parlant. Maria ? Donc, qu'est-ce que tu lui dis ? Ce démon. Était qui, en fait ? Un simple démon majeur. Un simple démon majeur. Bah. Simple est un bien grand mot, oui, mais. Vous attendiez à quoi en fait ? Bah, je veux dire, pour le combat en fait. Pas une telle résistance. Faut dire que votre prêtre est assez bon. Ah oui, c'est sûr que c'est surtout grâce à lui si on a pu gagner. Hein. C'est la première fois qu'il fait quelque chose de bon aussi. Et en forme aujourd'hui, visiblement. Je sais pas ce qu'il a fait pendant la nuit, mais. Ouais, j'avoue que depuis qu'il est avec vous, j'ai l'impression que ses sorts sont. Bah, sa puissance divine est. Non, depuis aujourd'hui, c'est tout. Alors, Sélénor, on a des petits papillons dans les yeux ? Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. L'amour donne des ailes, tu le sais, ça. Pardon ? Qu'est-ce que vous essayez de s'insinuer, là ? Moi, je m'éloigne étrangement. Je sais pas. Qui est con, celui-là ? Triops, je suis un prêtre et je le resterai. Ça veut pas dire que tu peux pas tirer quelqu'un à gauche à droite, hein. Oui, ouais. Ça n'a jamais été interdit. Si un jour je venais vraiment à trouver l'amour, ne vous inquiétez pas, vous le verrez de suite.